Écris sur ton ardoise le plus grand des deux nombres. Entre ce nombre-là à gauche et cet autre nombre à droite. C'est bon? Vous l'avez écrit? On peut corriger? Allez, on corrige. Eh oui, il fallait écrire celui-là. 65. Donc 56 est inférieur. Donc il fallait écrire 65 fois. On continue. Toujours, écrivez sur votre ardoise le plus grand des deux nombres que vous voyez à l'écran. Continue. Corrige. Allez, on corrige. Oui, 67 est supérieur. Ici, ça veut dire supérieur, plus grand. 67 est plus grand que 50. Ah, ça c'est facile. Allez. Oui, 60 est inférieur à 62. Donc il fallait écrire 62 sur votre ardoise. Ah là, un petit peu plus difficile. À vous. Soit ce nombre-là, soit ce nombre-là. Donc soit 6 dizaines et 4 unités, soit 6 dizaines et 2 unités. Allez, on corrige. Eh oui, 6 dizaines et 4 unités, ça fait 64. Et ici, ça fait 62. Donc 64 est supérieur à 62. C'est bon? On peut passer à la correction? Allez, on corrige. Vous pouvez mettre pause, hein, si ça va vite, hein, sur la vidéo. Alors ici, on avait 5 dizaines et 9 unités. Ça fait 59. Et là, 61. Donc 59 est inférieur. Il fallait écrire 61, 6 dizaines et 1 unité. Ici, quel est le plus grand nombre? Écrivez-le à la maison. Et on corrige. Oui, 65, ici, 60 plus 5, 65, est inférieur à 68. Donc il fallait écrire 68. Allez, on corrige. Eh oui, ici, 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10, ça fait 6 fois 10, donc 60 plus 3, 63, est inférieur à 66. Il fallait faire 66 sur la ardoise. Et le dernier, à vous. On corrige. Eh oui, 30 plus 30. En fait, si vous faites sans le 0, c'est encore plus facile. 3 plus 3, ça fait 6. Donc, si vous rajoutez un 0 à 3 à gauche et à 3 à droite, ça fait 30 plus 30, c'est 6 avec un 0. Donc, 60. 30 plus 30 égale 60. Pourquoi? Parce que 3 plus 3 est déjà égal à 6. Si vous savez 3 plus 3 égale à 6, c'est encore plus facile. C'est aussi facile de faire 30 plus 30 égale 60. Donc, tout ça fait 61. Parce qu'il y a le 1 aussi. 61 est supérieur à 60. Voilà, bravo.